Parfait, nous allons pouvoir reprendre intervention. Jenny, je crois que je suis tombée un bout. Le cœur de Jenny sembla s'arrêter, mais l'alarme de leur boîtier de secours sonna. C'est pas vrai, pas maintenant. T'as une urgence, c'est ça? Il se décomposa. Ouais. Sternec. Vas-y, je voudrais pas te retarder. Elle se leva du lit et sortit de la chambre. Tiens-moi au courant. Que je m'inquiète pas, s'il te plaît. Fais bien attention à toi. L'embrassa sur le front et partit. Promis. Il rejoignait ainsi son équipe. Vous avez intérêt à avoir une bonne raison, je vous préviens. Malheureusement, oui. Meilleur ami de Jenny s'est fait enlever. Pardon? C'est quoi ces histoires? Les louvetons ont repéré un type suspect, ils l'ont pisté, il a récemment changé ses habitudes et un jour ils l'ont vu partir avec Eva, c'est ça? Mais elle n'est jamais ressortie de sa maison. C'est pas vrai. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Trop risqué pour elle, il se balade toujours avec au moins une arme blanche et tout le temps sur ses gardes. Surtout, ne sort presque pas de chez lui. Dès qu'on le voit, il est toujours au téléphone et avec quelqu'un qui est chez lui à la surveiller d'après nos relevés. Si on l'attrape, il le préviendra et ça pourrait être dangereux pour elle. Ok, je vois, Ça fait combien de temps? Troisième journée. On a pu confirmer nos doutes que là. Elle n'est pas sortie du tout. On ne la voit pas à travers les fenêtres et répond pas au message. Quel message? Eh bien, t'as son hume. Longue histoire. En bref, ça fait une semaine qu'on parle non-stop et là, plus rien. Génial. En séparation habituelle, sauf toi, Lucas. Quoi? Tu commences visiblement à t'attacher, ça risque de perturber l'opération. Va chez moi et occupe Jenny, je sais pas comment. Évite qu'elle comprenne trop tôt et que ça la stresse. Faut pas qu'elle débarque. Mais justement, je tiens à elle, je veux aider. Je voudrais pas y aller. Tu voudrais pas y aller, toi, si t'es Jenny à la place? C'est différent, moi. Ah, ça y est, tu sais ce que tu ressens, tu sais que tu... Disons que vous n'avez pas... vraiment pas appelé au bon moment. Désolé, général. J'aurai d'autres occasions, enfin j'espère. Il faut la sortir de là, de toute façon. Ils s'organisèrent pour couvrir toute la maison. L'un sonna, tandis que quatre autres entraient dans la maison par des fenêtres. Le dernier se tint prêt au cas où il attaquerait celui qui s'occuperait de la porte. Tout alla très vite, ils l'immobilisèrent rapidement et les autres trouvèrent Eva dans le sous-sol enfermé. D'aller voir, c'est une habitude chez elle. On en fait quoi de celui-là, du coup? Bon, je m'occuperai bien de lui, perso, mais bon. Ok, non, je vais me rendre. Je ferai ce que vous voulez. Sans blague, t'as pas trop le choix, de toute façon. Tu iras te rendre aux flics. Tu diras tout ce que vous lui avez fait, et on te surveillera, et bien sûr, au moindre geste louche, on s'occupera de toi à notre façon. L'emmener et Jack restaient avec Eva. Ça va être sympa, la différence de diapo. Quand je change comme ça, c'est pour passer à Eva. Ça va être plus simple pour l'instant. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Surtout peur, il me menaçait pas mal, mais il ne m'a rien fait. Je vais te ramener chez toi. Il t'a pas touché, blessé ou autre? Vous êtes arrivé à temps. Au moins, j'aurais pas été interrompu pour rien. Ils arrivèrent devant chez elle et Eva trébucha. Vieille habitude. Jack la rattrape. Eva? Jenny? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas ce que tu crois, vraiment. Hein. T'imagines rien, d'accord? Et c'est juste votre rire. Ah, pitié, crois-moi. Imagine pas des que je l'enlaçais ou je sais pas. Vraiment, il m'a aidé. Eva, tu n'as rien, c'est bon? Ah, je commence à m'inquiéter. T'as bien fait ton job, toi? C'est pour toi qu'il est parti? Et là, Virginie, il l'a pris dans ses bras. Oui, c'était elle, l'urgence. Mauvaise rencontre, on va dire. Tu n'as rien. Non, ils m'ont sorti de ma galère. Et on va parler. Faut que t'évacues toute cette angoisse. Il en a. On travaille de meilleur ami, mais bon, t'as l'air bien lancé. C'est quoi ça? De quoi tu parles? C'est marqué sur ton bras et ton cou et tu t'es blessé comment? C'est juste Lucas. Pardon?
Je t'avais dit, dès qu'on se voit, on essaye de se battre, ça m'entraîne au cas où. T'es pas censé te faire de mal. C'est rien, t'inquiète pas, il m'a presque rien fait, en fait, je suis un peu fait ça tout seul. Même. Commence à partir, il lui attrape pas loin. Tu vas où? C'est ma meilleure amie, tu aurais dû me prévenir. Je voulais pas que tu stresses, j'ai envoyé Lucas te surveiller et tu me caches beaucoup de choses comme ça. Il a Sarah contre lui. Pour l'instant, rien qui te concerne. Encore quelques trucs à propos des opérations, pour ta sécurité. Je t'expliquerai vraiment tout quand je serai sûre que bien pouvoir te protéger et que ça ne risque rien. Pardonne-moi, j'aurais dû te prévenir, oui, mais je supporte pas l'idée de te voir mal. Mais ses bras autour de son cou et le serra contre lui. T'as intérêt. C'est juste que je suis tombée amoureux de toi. Enchaîner avec protège-moi. Elle sourit, des larmes qui montaient aux yeux et lui embrasse à la joue. Ça devient vraiment une habitude. C'est à mon goût. Mais laisse-moi faire ce pH. Tiens, prendre mon temps et bien faire les choses. Ça me va. Par contre, je te promets pas de craquer de temps en temps. Quelques jours plus tard, Jenny marchait seule. Elle venait de passer l'après-midi avec Selena. Pour rappel. Trois mecs visiblement un petit peu arrachés commencèrent à lui tourner en auto et à la suivre. Mignonne elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, j'ai de quoi filmer. L'un de la bloqua, un autre la fit tomber. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Tenta d'appuyer rapidement son boîtier de secours, mais l'un d'eux lui bloqua les mains au sol. Moi que j'ai réussi à plier autant. Le troisième lui monta dessus. On va bien s'amuser, je le sens. Qui est là chez moi? Caressa la joue, essaya de l'embrasser, mais lui donna un coup de tête. Tu vas le regretter. Il la gifla et lui mordit le cou. Commença à caresser, essaya de la déshabiller, elle se débattait. Commença à pleurer, à saigner au niveau des poignets. Il lui serrait tellement fort qu'il lui enfonçait les ongles dans la chair. Il déchira son haut et il allait lui enlever le pantalon. Vous êtes mort. Jack les sépara, éclata la caméra. Sur la tête de celui qui filmait, qui tomba au sol. Il attrapa celui qui tenait les mains de Jenny, il bloqua ses propres mains avec un couteau qui les transversa. Quant à celui qui était sur Jenny, il tabassa et le poignarda dans les parties. Il retira sa veste et la mit sur Jenny. C'est bon, calme-toi, ça va aller. Il la prit dans ses bras et lui caressa la tête pour l'apaiser. Respire, essaye de reprendre ta respiration, je suis là. Ils te vont pleurer. Je n'arrive plus à bouger, emmène-moi à la maison. Il la souleva et la pour la porter. D'autres membres arrivèrent quelques minutes après et embarquèrent les agresseurs. Elle déposa sur son lit, elle tremblait et pleurait. Passe près de moi. Je compte pas partir, t'inquiète pas. Elle assura et calma comme il pouvait et elle finit par tomber de fatigue. Elle appela Jane au téléphone. C'est bon, j'ai le droit de les tuer. Ils ont déjà bien pris, tu sais. Ils prendront jamais assez. Laisse-les en vie. Déjà, Jenny s'en voudrait qu'ils te verraient différemment. Et ensuite, s'ils vivent, ils souffriront plus de leur état, tu sais. Bilan. L'un est toujours inconscient et d'après scanner, a un bon traumatisme crânien. Un autre a les mains déchiquetées et ne trouvera sans doute plus jamais sa motricité ni sa sensibilité. Et l'autre, pas besoin de préciser, je pense. Jake, tu pleures? Il s'effondre. Je lui avais promis de la protéger, je suis vraiment incapable. T'es intervenu vraiment vite, hein. Pas assez vu son état. T'es près d'elle, tu vas l'aider et puis il suit le temps. Il raccrocha plus convaincu et retourna la voix. Comment tu te sens? On sait trop rien. Il s'approcha et la serra contre lui. Merci, si t'étais pas venue, elle se mit à trembler. N'y pense plus, c'est fini. Je suis là près de toi et je m'y l'honorerai plus. Elle respira, se calma et se leva pour descendre. Tu veux qu'on, je sais pas, qu'on joue, qu'on sorte, qu'on fasse quelque chose, il faut que tu penses à autre chose. Elle le poussa sur le canapé et se blottit contre lui. Ok. Il embrassa le front, il la serra en état et sans voix. Jeanne passa la voir le lendemain. Salut, comment tu vas? Ça commence à se calmer un petit peu. Un petit peu agressif le soir. Bienvenue. Je me risquerai pas à lire les pseudos pour éviter d'écorcher.
Mais merci. Faudrait que je prenne le réflexe de noter où j'en suis. Oh, wait. You don't bore me. I just try to understand. I want to open. J'ai un doute de comment le dire en anglais, donc la vraie, mais thanks, I will see this later. Accent éclaté. Ça fait un moment que j'ai pas pris de cours. Mais dans l'idée, thank you. Et je finis. Bon, je disais, il faut que je prenne le réflexe de remarquer où j'en étais. Ça casse un peu l'immersion, mais si vous voulez vraiment être immergé, de toute façon, il faut soit lire la version gratuite de Wattpad, soit aller commander la version PDF ou papier. Je vais essayer de reprendre. Oui, il essaie de se calmer. On a un peu de temps, mais je suis sûre que tu t'en remettras. Surtout avec Jack à tes côtés. Il arriva et lui donna à manger. Oui, c'est sûr. Elle essaya de rire, mais il était encore trop tendu. Jean s'approcha, il voulait la prendre dans ses bras, mais elle paniqua. Ne me touche pas. Ce recul-là, il ne bougea plus. Elle agrippa Jay qui tremblait. C'est rien, c'est juste Jean, il ne te fera jamais de mal. Je sais, mais. C'est pas grave, on comprend. Laisse. J'ai l'impression que tu vas être le seul à pouvoir l'approcher quelque temps. Il caressa la joue. Je t'aide, t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Prends ton temps. Donc, enchaîner avec progrès. Semaine était passée, les personnes les plus proches de Jenny pouvaient s'approcher d'elle à environ 1 mètre. Les autres devaient avoir un minimum de 4 mètres de distance. Elle attendra encore une semaine de plus pour qu'elle puisse sortir en public. Je suis là, je ne te lâche pas et si tu te sens mal, tu me le dis, on rentre direct. Faut pas te forcer. Ça va pour l'instant. Elle était agrippée à son bras. Dès que quelqu'un s'approchait, elle finissait la tête dans son torse. C'est rien, c'est normal. Prends ton temps. Je suis désolée. Pourquoi tu progresses super bien, je trouve. Ben, tu peux même sortir. Et t'es responsable de rien. Mais j'ai peur et je panique dès qu'on s'approche trop près. Ça me va, tu me colles comme ça. Il réussit à la faire rire. Ça fait du bien d'entendre. Enfin, ce doux son. Il l'enlaça. Viens, on va se poser là-bas. Offrit un thé et essaya de la faire de nouveau rire. Commençait à réussir, mais quelqu'un passa trop d'elle. Il la poussa légèrement. C'est pas vrai, bouge, tu peux pas faire attention. Jake, c'est pas sa faute. Il se mit vers elle et la serre. Tu sais, ça m'a presque rien fait. C'est vrai? Tu vois que tu progresses, il suffit juste de penser à autre chose. Viens avec moi, je vais te changer les idées. Ça te rappelle rien cet endroit? C'est là que je t'ai plaqué au mur pour avoir un cookie. Oh, c'était trop beau. Éclate de rire. Et des perturbés, tu savais même pas comment réagir. Tu t'es même soumis. Ouais, je dirais rien pour cette fois. Souris lorsqu'elle observa plusieurs personnes passer près d'elle sans la perturber. Bon, maintenant, ferme les yeux. Il la guida à la voix, puis en la tenant après s'être fait disputer car il l'envoyait dans l'illusion. C'est bon, tu peux les rouvrir. C'est là, elle sourit. On a failli s'embrasser la première fois. Ouais. C'était pour me tester? Un peu, il me testait moi aussi, j'avoue. Mais surtout parce que tu me devais un truc. Elle rigola encore et tapa. Ok, bon, j'avoue. J'en avais très envie aussi. Comme maintenant. C'est la première fois qu'il tentait un contact pareil depuis son agression. Doucement, faut pas la rebloquer. Il approcha ses lèvres plus près et attendu qu'il avait la respiration très rapide et finit par l'embrasser. Ça fait tellement du bien, c'est. Bon, c'est bon, vous êtes ensemble! Oh, tu m'as fait peur. Et on teste juste mes progrès. Vous aimez juste vous chercher, quoi. Bon, Jenny, comment tu réagirais si je te disais que moi j'embrassais pas, quoi? S'approcha, elle prit par l'épaule. Ça y est, tu te débloques. Parti en bagarre avec Lucas, car il refusait de lui expliquer comment c'était arrivé.
Puis elle se figea et réalisa ce qu'elle faisait. Luc a compris, il la lâcha aussitôt. Elle réfléchit, se répéta les phrases rassurantes que Jack lui avait dites. Calma sa respiration et tapa Luc. Toi, je te préviens, tu vas le regretter. J'aimerais bien voir ça, avec tes petits muscles. Respecte-la ou je t'éclate, moi. Je savais que je pouvais te battre. C'est pas vraiment toi, mais bon, on va faire tout comme. Je tentais de s'approcher, mais Jack le bloqua. Pense pas trop, ça fait déjà beaucoup pour aujourd'hui. Il rentrait, Jenny était épuisée, mais avait retrouvé le sourire. Repose-toi, t'as beaucoup progressé. Grâce à toi. Je sais, ça mérite bien une récompense. Qu'est-ce que tu veux? Tu pourrais mettre plus d'entrain dans ta question déjà. Que c'était vous, mon cher et sexy amant, que puis-je faire pour vous satisfaire? C'est déjà mieux, mais je suis sûre qu'à genoux, en train de me baiser les pieds, ça serait encore mieux. Elle le frappa avec un oreille. Bon, oui, tu veux pas les 200 balles à Mars? Allez, qu'est-ce que je puis faire? À coup, j'ai autre chose, hein. Et, très bonne idée, et t'as quoi de mieux à faire que d'être ma servante aujourd'hui? Je sais pas manger, par exemple. On sort de table. Et éclata d'un. Bon, que veux-tu? Tu pourrais, par exemple, me faire un massage. Mais un bon, hein. Il faut que je... Ok, mais mets-toi à poil, quoi. Enlève au moins le haut, que ce soit intéressant pour moi. Je t'embrasse légèrement dans la journée. Tu crois que je suis à ta disposition? Exactement. Très bien. Comment sortir sa chemise lorsqu'elle l'arrêta? Laisse-moi faire. T'as aucune technique. Il mordit la lèvre et l'observa. Ça me donne toujours prévu. Bon, alors je dors maintenant. S'exécuta, elle finit à quatre pattes autour de lui, il pressionna chaque contact. J'aurais dû te demander de faire ça depuis longtemps. J'étais bien coincée. L'aune a viré. J'aime bien comme ça. Fais en sorte qu'il se détende totalement. Bon, allez, t'as eu ta dose. Quoi? Mais non, mais tu rigoles là, reviens. Commence à partir lorsqu'il l'a trop. Continue, je te dis. Non. Commence à la chatouiller. Jake, arrête, c'est bon. L'enlève de rire, s'il te plaît. J'aime trop ce bruit. Bonne année à toi aussi, si jeune. Je te fais ce que tu veux si tu me masses encore. Tu es soumis, tu me feras ce que je veux, dans tous les cas. C'est ce que tu crois, hein. Il sourit, la plaqua au mur, se pencha vers elle et la fixa. Tu joues à quoi, là? Tu mourras pas comme ça. Arrête ou... Tu quoi? Craque lamentablement. Fais-moi un massage en échange et... Peut-être que je reconsidérerai l'idée de t'en refaire comme tout à l'heure. Vos désirs sont des ordres. Encore un petit avant de faire la pause YouTube. Ça sera gage. Ça va être des enfants, j'annonce. Hein. Oh oui, Jake, plus fort, bien évidemment, comme ça. Bon, sur le livre vert, bien évidemment, c'est plus explicite, mais à l'oral, je trafique un peu. Elle raccrocha. Bon, c'est bon, il y a cru. À toi maintenant. Laisse-moi deux secondes, faut que ça redescende. Quoi? Tu simules vraiment bien. Disons que j'ai une très bonne imagination. Raconte-moi tout alors. Ça aurait beaucoup trop sensuel. Eh bien, je nous imaginais. Continue. Oui. On regardait ma série préférée en mangeant les cookies. Les bras, l'un dans l'autre. Je m'attendais pas à ça, mais on pourrait essayer, si tu veux. Surtout si ça te fait autant d'effet. Je me demande comment tu aurais réagi si tu nous avais imaginé. Disons. Enfin, tu vois quoi. La colle à lui, il se mordit la lèvre et la frissa. J'ai déjà essayé, hein. T'es sérieux? Ça te choque vraiment? T'arrêtes pas de me sauter dessus, de me provoquer, coller et... Ok, un point pour toi. Et tu réagis comment alors? Eh bien, je te dirai peut-être un jour si t'es sage. Sadique. Bon, toi, je disais, je te modifie de mettre un genou, incliné, et de m'improviser un poème.
Rien que ça. Et pourquoi on joue à ça déjà? Tu voulais me faire plaisir, je crois. Encore une idée brillante. Je sais. Exécution, mon cher. Le rala et fils qu'elle demanda. Tu improvises très bien. Tu m'inspires, dirons-nous. Il se redressa et la fixa. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai. Pourquoi tu me fixes comme ça? T'es stressant, arrête. Elle baissa les yeux, le releva la tête et colla son front aussi. Je rêve ou t'as failli m'embrasser là? Possible. Pourquoi tu l'as pas fait? Je vais essayer de me contrôler et tu dois te remettre entièrement de ton traumatisme avant. Pourquoi? Il faut bien une promesse de récompense. Et que tu te dis que j'en ai envie? Je rigole. Ah, bien sûr. Et puis, moi j'entends pas du tout ton cœur dès que je m'approche. T'es cramé. Ah, oui. Bon, je compte sur toi pour me soigner vite alors. Il ne fallut que 5 jours supplémentaires pour qu'elle puisse avoir de nouveaux contacts avec d'autres personnes sans avoir trop de stress. Bon, eh bien, approche. Pourquoi? Tu vas mieux? Je te donne une récompense. Attends, mais j'étais un. Je peux finir de manger avant ou. T'es impossible, toi. Il s'endormit sur sa chaise avant qu'elle ait fini. Et c'est moi la feignasse. Elle s'assit sur lui le caressant. C'est dingue, il se réveille même pas. Et finit par tenter de lui retirer son t-shirt. Pour se faire plaisir, on ferait de même. J'ai quand même plus de retenue que toi. Va pas me faire croire que ça te gêne. J'ai jamais dit ça, je te le signale juste. Elle se blottit contre lui. Embarrassant. Non. Quoi? Bah, tant que tu seras pas amoureux, si on peut dire. Je t'embrasserai plus tant qu'on ne sera pas ensemble. Ça vient demain? Pas encore. C'est moins 2 ou 3 jours que je prépare un petit truc. T'es pas obligé. Si, c'est important pour moi de bien faire, enfin d'essayer. T'es parfait comme tu es, mais si tu tiens. Il me fait un bisou sur la joue et est parti. J'en suis arrivée là. Ça me ressemble pas. Il l'emmena dans les jours qui suivirent dans un endroit spécial. Il bondit les yeux, emmena en voiture. Une fois arrivé, il la guida et l'appela ça. Ah là, tu peux retirer le bandeau. Ouvrez les yeux et désintoncez la pavor dans son regard. C'est magnifique. C'était en pleine nature, juste à quelques mètres d'une forêt, sous un arbre au milieu d'un champ rempli de coquelicots. Galérer pour trouver, mais j'espère avoir un endroit adéquat. Tu pouvais pas mieux faire. Souris, lui caressa la joue. Lenny était la seule à avoir cherché à me comprendre, à vraiment me connaître et à accepter tout ce que je suis. Également la seule qui réussit à me faire de l'effet, à me plaire autant, à compter pour moi et à être aussi importante et précieuse à mes yeux. Depuis que je te connais, j'ai jamais été aussi heureux et je souhaiterais pouvoir t'embrasser autant que je le veux. Et te rendre heureuse comme tu le mérites. Bon, ça fait un peu moins de mariage, mais il faut au moins ça. Jenny, vous êtes très. Même ma chérie officielle. Bien sûr. Elle trembla et pleurait presque. Elle sourit, lui mit un nouveau bracelet au poignet et entendit un autre pour qu'elle lui accroche. C'est le signe de mon amour. L'amour, c'est fort. Approche. Caressa les cheveux et s'approcha pour l'embrasser. Jenny, je t'aime. Une petite pause YouTube avec la suite qui devrait sortir bientôt, si ce n'est directement après.